que toi qui me regardes, tu vas bien. Hein? Donc là, les amis, bienvenue encore dans ma nouvelle vidéo dont je vais vous partager quelques façons de comment décorer sa table, la salle à manger, le centre. Hein? Comment les décorer. J'espère que vous allez vous retrouver, mon ami. Ça, les amis, si tu es ici pour la première fois, moi, c'est Sarah, la maman de garçon. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas de partager aussi. Aussi, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Donc là, les amis, juste pour vous dire que non, pour décorer la maison, ça ne demande pas d'avoir une fortune, hein, d'argent pour décorer la maison. Non, tu peux avoir peu d'argent, tu peux acheter des choses moins chères. Hein. Donc moi, je trouve que la déco de la maison, ça représente une femme, les amis. Donc là, il faut décorer nos maisons avec le peu d'argent qu'on a. On peut toujours rendre notre maison belle. Ok les amis, donc là je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous ne serez pas déçus, c'est parti! Donc là, voilà les amis, les résultats finaux de mon premier style. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'adore ça, surtout les bouquets de fleurs. Oh my God! Donc, mon plateau décoratif, tout ce qui est dessus et mon chemin de table, je l'ai acheté à HomeSense. Donc là les amis, voici mon style numéro 2. Donc j'ai gardé toujours le plateau. Donc j'ai changé les bouquets et la bougie pour faire juste une petite différence. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Peut-être ça va intéresser quelqu'un. Je l'ai acheté aussi à HomeSense toujours. Donc là les amis, voici le style numéro 3. Donc j'ai changé les plateaux, j'ai mis un bouquet de fleurs avec deux vases à côté que j'ai acheté à Boucler. Donc j'aime ce style, j'aime ça tellement, j'adore ça. C'est simple et joli. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Donc là, pour les styles numéro 4, j'ai changé les chemins des tables. Hein. Donc, ça, c'est quand même court par rapport à l'autre. Donc là, les amis, voici les styles numéro 4. Donc, pour ce style-là, c'est vraiment plus pour les gens qui aiment des choses simples et jolies. Donc, juste le plateau avec une vase et deux grosses feuilles décoratives. C'est joli. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc là, pour le style numéro 5, j'ai juste rajouté deux vases à côté pour faire une différence. Moi, je trouve que c'est joli, c'est simple. J'adore ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Donc là, maintenant, pour le style numéro 6, j'ai continué avec la simplicité toujours. Donc là, je garde mon chemin de table. Je rajoute deux grosses verres décoratives avec des bougies dedans. Je trouve que c'est joli et simple. C'est vraiment pour les gens qui n'aiment pas trop mettre des choses sur la table à salle à manger. C'est joli, je vous dis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, les amis, on continue avec le style numéro 7. Donc, je rajoute mon petit coffret décoratif et ma poire décorative en argent pour que ça fasse une différence un peu. Je trouve que c'est simple et joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire, les filles, quel style vous intéresse. Dites-le-moi en commentaire. Alors, mes deux grosses verres. Avec ma poire, je l'ai acheté à Home Sense. Mes deux bougies et mon petit coffret décoratif, je l'ai acheté à Boucler. Donc là, les amis, pour finir, pourquoi pas juste mettre un bouquet de fleurs sur la table, hein? C'est joli, je trouve que c'est simple et joli. Comme là, j'ai mis mon bouquet de fleurs que j'aime beaucoup, donc avec la couleur d'automne. Donc j'adore ça, je trouve que c'est parfait. Ok les amis, c'est déjà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées de comment décorer sa table à salle à manger. Donc là, je pense que ça a été vraiment simple. Hein, les filles, vraiment là, la déco, c'est plus les filles, les amis. La déco, quand on entre dans une maison, on voit la maison est bien décorée. Hein? Donc, on voit directement la femme. Donc là, c'est ça. Po bon sabanda pour les amis. Décoration de ça là quand même, hein? Ça là bien en dedans. Moi, de quoi mike, somba, sombaka, ça coûte pas cher en tout cas. Pour les décos là, ça coûte vraiment pas cher. Donc, on somme moi déco na yo, ou tu moi quelque part, ou décorer ndakou na yo. Ça là, bien en décor en aïe, ça là, ka bien qu'on décorer ndakou. Donc là, voilà les amis, c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu vraiment. Donc, là, si c'est le cas, n'oubliez pas hein, de vous abonner comme d'habitude, hein. Hein? Mettez-moi aussi des pouces en l'air aussi, pourquoi pas. Partagez aussi la vidéo, pourquoi pas. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Restez toujours connectés dans la chaîne des mamans de garçons. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!